Nous sommes très heureux, très chers téléspectateurs, de vous retrouver dans ce plateau spécial pour décrypter les discours du président de la République tout à l'heure à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique justement pour ce plateau spécial ici à Kinshasa. Et nous allons suivre en direct le président de la République. Ça sera pour lui la deuxième fois de prononcer un discours au niveau de la tribune des Nations Unies, parce que le premier il a fait à New York, le deuxième c'était par visioconférence, et la troisième aujourd'hui à partir de New York, et l'RTNC organise justement ce plateau spécial pour décortiquer les discours du chef de l'État. Et sur ce plateau nous avons l'arsenal communicationnel de la présidence et de la République. Vous remarquez à ma gauche Tarcis Kassoumoumema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Bonjour Monsieur Kassoumo. Bonjour. À gauche de Monsieur Kassoumo, Giscard Koussema, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Bonjour Giscard. Bonjour Blaise. À ma droite, Paul Diakessé, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Blaise. Et à la droite de Monsieur Paul, c'est bien Félix Kabala, communicant à la présidence de la République. Le décor est donc planté, très chers téléspectateurs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va intervenir tout à l'heure. Si nous suivons l'ordre protocolaire, après le président qui passe, il y a un autre, et puis ça sera le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le premier président africain, et qui va tout à l'heure prendre la parole. La raison est simple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement qu'il est président de la République démocratique du Congo, mais il est également président en exercice de l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle il mérite tous ces honneurs, tout cet honneur, pardon, de prendre la parole avant d'autres chefs d'État africains. Vous allez bien? Ben, c'est bon. Qu'est-ce que le président de la République va dire tout à l'heure à la tribune des Nations Unies? C'est ça la grande question. Oui, c'est une grande question, mais je pense qu'il faudrait prendre le temps et la patience, parce que le président de la République est aujourd'hui devant une tribune, l'une des plus prestigieuses qui soit, pour parler de sa vision du monde. Sa vision du monde, naturellement, parlant de sa vision de la République démocratique du Congo, surtout que là, on est en plein sur une thématique qui concerne les ravages consécutifs à la pandémie de Covid-19. Comment est-ce qu'on pourrait, on doit s'organiser pour avoir une bonne résilience et puis reconstruire ce qui a été détruit. Ensuite, il y a plusieurs autres sous-thèmes. Je crois qu'il y en a cinq sous-thèmes. Vous avez reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'ONU. Vous savez, l'Organisation des Nations Unies a une longue histoire. Et il y a eu des hauts, des bas, et surtout quand il y a souvent ces réunions qui ne peuvent plus se tenir totalement en présentiel, il y a des personnes, des chefs d'État qui s'expriment, comme tout à l'heure, il y en a un qui va s'exprimer par enregistrement. Donc il faut revitaliser les Nations Unies, il faut revitaliser cette grande organisation, et pour ça on a besoin que les uns et les autres puissent s'exprimer pour donner leur vision. Jusqu'à présent, nous espérons que l'environnement, avec les réchauffements climatiques, qui prend également une place de choix dans le discours du chef de l'État, surtout que l'RDC va participer au sommet de COP26 qui aura lieu à la fin de cette année en Grande-Bretagne. Effectivement, Blaise Bokokia Sanza, le thème général choisi pour cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est évocateur. Il y a un thème qui ne manquera pas, qui est en train d'être évoqué déjà depuis ces premières prises de parole. Il s'agit de la pandémie de Covid-19. Cette maladie qui a privé aux chefs d'État, aux dirigeants du monde entier, cet important rendez-vous en 2020. On se rappellera que dans l'histoire des Nations Unies, jamais un sommet n'a été simplement annulé pour raison de Covid-19. C'est donc, en 2020. Oui, en 2020, donc l'Assemblée générale n'a pas eu lieu en présentiel. C'est donc un grand retour pour les dirigeants du monde entier qui s'exprimeront chacun en ce qui les concerne sur la gestion de cette pandémie de Covid-19, entre autres.
Et en ce moment, c'est le septième, le neuvième chef d'État qui s'exprime devant la tribune des Nations Unies. Il s'agit précisément du président Gitanas Nauseda. Il est le président de la Lituanie. Et il est présent sur la tribune des Nations Unies. Après lui, il y aura un autre qui, lui, n'a pas fait le déplacement, celui de l'Ouzbékistan, n'a pas fait le déplacement, justement, pour cette raison de pandémie. Et puis, l'honneur reviendra au président de la République démocratique du Congo, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'exprimer pour la seconde fois du haut de la tribune de Nations Unies. Il est le tout premier chef d'État africain, comme vous l'avez dit, le tout premier chef d'État africain à prendre la parole, et cet honneur lui est donné en raison justement de sa double qualité de dirigeant d'un grand pays, la RDC, et puis il va parler au nom du continent, et au moment où la tension reste soutenue, tous les chefs d'État sont encore frais. On a suivi des grandes allocutions depuis ce matin. Le tout premier était le président du Brésil, Bolsonaro, qui s'est exprimé. L'hôte de cette session, le président Joe Biden, s'est exprimé également. Et puis, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le 11e de la série. Et il va s'exprimer un peu plus tôt que prévu, Blaise Bokokia, parce que selon les prévisions des Nations Unies, les chefs de l'État devaient intervenir autour de 19h, heure de Kinshasa. Mais dans l'ordre de prise de parole en ce moment, il ne reste plus que deux chefs d'État avant qu'ils n'interviennent. Donc nous pouvons penser qu'avec le timing de plus ou moins 20 minutes qui a été accordé, le président de la République va parler un peu plus tôt que prévu, et tout est en place pour vivre ce moment. C'est une façon de dire aux téléspectateurs que le chef de l'État est bel et bien à New York, où va prendre tout à l'heure la parole au niveau de la tribune des Nations Unies pour cette Assemblée Générale. Avant de prendre Paul Diakese et Félix Kabbala, revivons l'arrivée du chef de l'État à New York. Le 20 septembre, l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur la piste de l'aéroport international John Kennedy de New York. Sur les tarmacs, un protocole restreint pour l'accueil du chef de l'État congolais, avec en tête l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. Balumwene, un dispositif dicté par les contextes de la pandémie de COVID-19. À sa résidence temporaire de New York, le chef de l'État a rencontré une équipe restreinte de ses collaborateurs qui l'avaient précédé. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé la veille de son grand oral à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État congolais prendra la parole en début d'après-midi ce mardi 21 septembre pour la deuxième fois depuis sa mandature. Ce deuxième grand oral arrive dans un contexte particulier, au moment où le président Tshisekedi exerce la présidence tournante de l'Union africaine. La pandémie de COVID-19 sera au centre des réflexions de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, et tous les dirigeants du monde devraient chacun rendre compte de la façon dont son pays entend s'impliquer pour vaincre cette pandémie qui a secoué toutes les économies du monde, y compris celles réputées les plus stables. Aussi, à rassurer aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que tout à l'heure, nous prendrons en direct à partir de New York notre envoyé spécial Patrick Mukoyi pour nous décrire l'ambiance qui règne en ce moment et juste avant la prise de parole du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le réalisateur nous fera certainement signe si Patrick est prêt. Nous revenons sur ce plateau avec Paul Diakese. Tout à l'heure, je vous posais la question à Giscard Koussema. Hein. Au-delà de COVID-19, l'environnement, nous espérons que l'environnement occupera une place de choix dans le discours du président de la République. Avec ce réchauffement climatique, et la RDC ne bénéficie pas tellement, et pourtant avec la forêt, la grande forêt équatoriale, la RDC subit toutes les conséquences de ce qui se passe à travers le monde au niveau du climat, des réchauffements climatiques. Merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, ce sera quand même utile pour ceux qui nous suivent de recadrer le contexte onusien. Peut-être qu'il faudra dire ici que l'Assemblée générale de l'ONU est le plus grand rendez-vous diplomatique du monde, où on retrouve tous les chefs d'État. Mais aussi,
C'est un rituel qui se passe chaque troisième mardi du mois de septembre. Et ça, c'est la 76e fois. Il y a eu interruption lors de la Première Guerre mondiale, mais également l'année dernière, à cause de la Covid. 14 et 18. Tout à fait. Et puis 45. Voilà. Donc il y a trois interruptions. Allez, ça, c'est une assemblée ordinaire normale. C'est un rituel, comme j'ai dit, hein, parce que les discours des chefs d'État ne sont pas suivis d'un débat avec des résolutions. Après le discours, on revient dans les tralala quotidiens du Conseil de sécurité et tout le monde est parti. Cette assemblée, Blaise, a une particularité. Laquelle? C'est qu'il y a un conflit qui venait de se terminer, pas très bien, et un autre qui venait de naître. L'Afghanistan, ça n'a pas été bien négocié par les Américains. John Biden, si vous avez suivi son discours, il est revenu là pour expliquer pourquoi il a précipité le départ de troupes américaines. Et Joe Biden a profité de ce moment pour montrer la face du monde que Trump n'est plus là. Voici la vision de la nouvelle Amérique que moi je vais construire. Et bien avant Joe Biden, il y avait le Brésilien qui a parlé. Et les Brésiliens, il faut dire que peut-être que ce sont des discours, parce que l'année prochaine, il aura des élections. Certainement, il sera battu par Lula. Mais aussi, lui, c'était un grand trumpiste. Il est grand. Oui, tous les sondages prouvent qu'il sera battu au premier tour par Lula. Les sondages, mais aussi, forcément. Ok, bon, peut-être que ça va changer demain. Mais le aussi, de Lula. Mais aussi, il est venu pour justifier sa mauvaise gestion de la pandémie de la Covid. N'oubliez pas qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, mais le Brésil a subi un coup très dur à cause de la mauvaise gestion du président brésilien. Et s'il faut répondre à votre question... Les réchauffements climatiques. Tout à fait, répondre aux besoins de la planète. Et là, le chef de l'État sera vraiment à l'aise. Parce que le discours qu'il avait prononcé, que ce soit en visio l'année dernière et le premier discours de 2019, il est revenu sur l'importance des réserves en eau potable, en eau douce de la RDC, mais également le grand bassin du Congo, qui est le monde a besoin de cet oxygène, a besoin de cet espace pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, malheureusement, le Brésil, comme je l'ai dit, gagne beaucoup d'argent à cause de l'Amazonie. Sauf que nous, jusqu'aujourd'hui, on a encore rien reçu dans le cadre du bassin du Congo. Et c'est de l'État va profiter de l'occasion pour vanter ce que la RDC peut apporter au monde en ce qui concerne le réchauffement climatique. Et parce que d'ici 30 ans, il est fort à parier que la vie deviendra insoutenable. Vous avez vécu vous-même que la saison sèche, il n'y en a plus. Hein. Vous avez vu, il y a des pluies en juin, en juillet. On a du mal à gérer ça. Ah, ben, tout à fait. Donc, c'est un point très important pour le chef de l'État. Et là, il va marteler très très fort. Et Félix Kabbala, on a parlé de Covid-19, on a parlé des réchauffements climatiques, mais il y a aussi un autre point qui n'est pas de moindre, c'est bien l'insécurité dans une partie de l'Est du pays. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a décrété l'état d'urgence dans deux provinces, les Nord Kivu et l'Ituri. J'espère que ça va occuper une place de choix dans les discours du chef. Évidemment. Je vous remercie de la parole et j'aimerais ici mentionner le fait que aujourd'hui, aux Nations Unies, avec la 76e session de l'Assemblée Générale, j'aimerais sincèrement ici dire avoir une approche d'abord scientifique par rapport à ces grands rendez-vous diplomatiques. Vous savez, en relations internationales, nous avons cinq types d'acteurs qui interviennent dans ces grands rendez-vous internationaux. Et nous avons les États en première position, les organisations internationales, en l'occurrence les Nations Unies, l'ONU. Nous avons les ONG, nous avons les multinationales et nous avons aussi des personnalités politiques qui ont été des chefs d'État ou bien des chefs de gouvernement. Ici, les dirigeants de la planète sont là pour apporter des solutions aux problèmes du vécu quotidien de cette planète. Le président de la République va se déployer certainement à expliquer la bataille qu'il mène pour instaurer la stabilité sécuritaire à l'est de son pays, comme aussi sa vision globale au niveau de problèmes sécuritaires dans d'autres régions dans le monde, parce que
avec sa double casquette de président en exercice de l'Union africaine et de chef de l'État de la République démocratique du Congo, il va mettre en avant cette vision parce que, devant cette tribune, les chefs d'État, les dirigeants du monde sont là pour mutualiser leurs efforts pour apporter des solutions durables. Le thème le dit d'ailleurs en 5 étapes. Donc, nous allons aborder certainement, dès que le chef de l'État sera en direct, on décortiquera cela bien après. Et nous avons le devoir de rappeler le thème, surtout pour les téléspectateurs qui viennent de nous joindre, renforcer la résilience afin de se relever des Covid-19, reconstruire le développement durable, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits humains et ravitaliser l'Organisation des Nations Unies. C'est bien le thème retenu pour cette 76e Assemblée Générale des Nations Unies. Et tout à l'heure, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la parole. C'est lui qui passe, vous ne l'avez peut-être pas sur le petit écran, c'est lui qui passe, c'est l'avant-dernier, avant la prise de parole du président de la République. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons notre envoyé spécial, Patrick Mukui, qui se trouve à New York. Il va certainement nous décrire l'ambiance qui a régné avant, bien sûr, la prise de parole du chef de l'État. Patrick, est-ce que, si vous nous suivez, vous pouvez nous décrire comment la situation se présente pour le moment avant que le président intervienne au niveau de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies? Patrick? Non, nous avons quelques petits problèmes, certainement, que Patrick, et nous allons le prendre après. Juste le temps de revenir sur ce plateau avec les invités qui sont là. Le président de la République est aussi président de l'Union africaine. Mais avec tous les coups d'État que nous connaissons aujourd'hui au niveau de l'Afrique, on a comme l'impression qu'on veut revenir à cette Afrique des militaires et qui arrive au pouvoir pour déstabiliser les institutions légalement établies. En tout cas, ce n'est certainement pas le souci ni la volonté de l'Organisation des Nations Unies, bien au contraire. Bien au contraire, généralement, on demande que l'on revienne à la légalité constitutionnelle. Bon. Il y a des remous dans un ou deux pays, mais ce qu'il faudrait également faire savoir, c'est que les pays ne sont pas déstabilisés que par des renversements de pouvoir. Il y a aussi le terrorisme qui véritablement est en train de gangréner le continent africain. On a vu que, heureusement, en face, il y a des efforts qui sont conjugués, il y a des efforts qui sont communautarisés pour pouvoir faire face à cette ce fléau, le terrorisme, mais il y a également d'autres éléments, et je pense bien que le président de la République reviendra sur les plus importants qu'il aura besoin de relever pour montrer les efforts qui sont fournis par le continent pour stabiliser le continent et lui donner la chance de travailler pour le développement. Jusqu'à l'Afrique des militaires, on a vu le coup d'État au Mali, aujourd'hui le coup d'État en Guinée, et puis au Tchad, c'est un militaire qui succède à son papa. Et finalement, où va l'Afrique? J'espère que le président, en tant que président de l'Union africaine, réservera une part belle dans son speech à la tribune des Nations Unies. Oui, comme chaque fois qu'il prend la parole devant ce genre d'assemblée, les chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne cesse de défendre la charte de l'organisation africaine, de l'Union africaine, tout comme celle des Nations Unies, et donc tout pouvoir qui ne passe pas par deux voies démocratiques est à condamner. Et lorsque tous ces coups d'État sont arrivés, les chefs de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, ne s'est pas empêché de prendre position. Il l'a fait. Voilà, lui, ce qui intéresse, c'est un démocrate. On le sait, lui-même est arrivé par des voies démocratiques. Et il ne cesse de défendre chaque fois les valeurs de la démocratie. Ça, c'est un des sujets, mais l'autre sujet, on l'a déjà dit, il y a cette pandémie de Covid-19. Comment l'Afrique entend faire face à cette pandémie? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le continent africain a pris un peu plus de retard par rapport aux autres continents, mais Dieu merci, l'Afrique a aussi payé le prix, c'est vrai, sur le plan sanitaire, mais moins, la facture est moins douloureuse que l'est pour les autres parties du monde. L'accès
la problématique de l'accès au vaccin. Je crois que le chef de l'État ne manquera pas d'évoquer cette question, mais aussi il y a tous les efforts qu'il entreprend au niveau interne pour juguler cette crise sécuritaire cyclique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cela paraît évident parce qu'on sait que la toute première personnalité qu'il a rencontrée dans les couloirs de New York, c'est bien le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, ce que nous pouvons confirmer maintenant, Blaise Bokokia, c'est que d'ici quelques minutes seulement, le président de la République va parler, parce que c'est lui qui prend la parole en ce moment. C'est le président Shavkat Mirziyoyev. Il est le président de l'Ouzbékistan. Il n'a pas fait le déplacement. C'est par visioconférence qu'il intervient, comme trois autres chefs d'État depuis la matinée. Donc, trois chefs d'État n'ont pas fait le déplacement de New York. Ils sont passés par visioconférence, comme c'est le cas de celui qui passe en ce moment. Mais le président de la République démocratique du Congo, il est là et il va monter pour la deuxième fois devant cette tribune. Parce que vous parlez des secrétaires généraux des Nations Unies, Giscard Poussema. Il faut ici dire que le chef de l'État, aussitôt arrivé à New York, il a eu des entrevues avec le patron des Nations Unies, M. Guterres, Antonio Guterres. Et si la réalisation est prête, elle peut nous proposer ces entrevues entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Aucun média présent à New York n'a pu filmer le déroulement des discussions tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général des Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi, a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix-Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial télé organisé par l'Institut des Initiatives des Investissements du Futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Fidèle à ses convictions, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix-Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain du haut de la tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président en exercice de l'Union africaine, comme le président du pays hôte de l'Assemblée générale des Nations Unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations Unies ce 21 septembre 2021. Plateau spécial sur le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des 76e. Assemblée générale des Nations Unies, c'est pour tout à l'heure, le dernier, il est en train de passer, vous ne le voyez pas sur votre petit écran, mais ici au niveau de ce studio, nous voyons, c'est lui qui passe, et ça sera juste après, voilà, les réalisateurs nous montrent, juste après les discours du président qui est sur votre petit écran, sera le tour du chef de l'État, congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps président de l'Union africaine, Paul Diakhaté. Je disais tout à l'heure que nous vivons aujourd'hui l'Afrique des militaires avec ses coups d'État, même s'il y a des condamnations, quelque peu timides, de part et d'autre. On a vu au Mali, il y a eu des condamnations, ils sont là, les militaires. On a vu en Guinée, il y a eu des condamnations, ils y sont. Apparemment, l'ordre légalement établi est en péril. On a cru qu'après la période de conférence nationale, qu'on allait congédier éternellement les coups d'État en Afrique. Malheureusement, ce démon revient.
Et je sais que le président de la République n'avait pas pensé à aucun moment que pendant qu'il est président ainsi de l'Union africaine, qu'il y ait des coups d'État. Pratiquement trois coups d'État et deux tentatives de coups d'État. Ouais. Coup d'État au Mali, coup d'État en Guinée. Idriss Déby qui tombe sur le champ de bataille. Le coup d'État de la Guinée, il faut le dire, il y a une certaine affinité entre lui et Alpha Condé. Ça l'a beaucoup affecté, malheureusement, un coup d'État. Un coup d'État. Ça veut dire quoi? Non, mais Alpha Condé fut un grand ami à Étienne Tshisekedi. Oui, d'accord. Il y a une relation de paternité entre notre chef de l'État, oui. Alpha Condé, malheureusement, le coup d'État. Mais il y a aussi un coup d'État manqué ce matin au Soudan. Et comme aussi il y a 6 mois, il y a eu un tentative de coup d'État en Centrafrique. Un mauvais décor. Les rebelles sont arrivés jusqu'à Bangui. Donc, comme pour dire, il n'a pas souhaité ces genres de dossiers, mais malheureusement, il est obligé de les gérer. Et ce n'est pas toujours facile lorsqu'il y a des coups d'État, et soi-même, on lutte pour la démocratie, on a été élu démocratiquement, et à côté, il faut cohabiter avec des militaires qui sont arrivés avec des armes. En tant que chef de l'État de la RDC, il peut avoir une position, mais en tant que président de l'Union africaine, tout à fait autre chose. Parce que lorsqu'un dossier comme celui de la Guinée ou du Mali n'est pas bien géré par la CEDEAO, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? Et nous avons cru que c'est parti. Et probablement, il reviendra sur ça pour signaler que ce n'est pas de bon augure qu'il y ait des militaires qui viennent au pouvoir en faisant des coups d'État comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Mais aussi une façon d'interpeller les uns et les autres. Pour qui la bonne gouvernance, et lui, il est champion en ça. C'est pas pour rien que nous avons 3,3 milliards, parce qu'il lutte contre la corruption, il lutte contre le détournement. Et si le pays, un bel exemple. Si nous pouvons, tous les pays africains, remettre le rail, sur le rail notre économie, on n'aura plus besoin de coups d'État comme ceux que nous avons dans les pays. On n'en a pas besoin, pas du tout, pour dire que vous avez pleinement raison. Philippe Kabbala, il y a un problème au niveau de notre pays avec ce qui se passe dans l'est du pays. Nous avions parlé tout à l'heure de la province, des deux provinces où il y a état de siège. Et j'espère que le président de la République va parler de ça et surtout avoir la conjugaison des efforts des uns et des autres pour que la guerre au niveau de l'Est soit tout à l'heure, très chers téléspectateurs, on annonce justement par le protocole des Nations Unies, on annonce justement la prise de parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également président de l'Union africaine. Nous allons vivre en live l'arrivée du chef de l'État sur la tribune des Nations Unies. Voilà en gros plan. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Son Excellence Félix-Antoine, démocratique du Congo, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de la 76e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons cette salle de l'Assemblée générale après un peu plus d'une année d'absence par suite de la pandémie de Covid-19, cette peste du XXIe siècle qui secoue l'humanité, particulièrement par le nombre élevé de ses victimes, la destruction des économies des nations et l'aggravation de la pauvreté dans le monde. Ces retrouvailles sont encourageantes. Elles permettent d'espérer davantage un retour à la vie normale dans nos pays, et ce, grâce au génie de nos scientifiques et aux efforts communs de nos États, dans un élan de solidarité internationale remarquable. Nous devons accroître ces efforts et renforcer cet élan de solidarité pour vaincre définitivement la pandémie de Covid, relancer la croissance de nos économies et assurer un meilleur avenir aux populations de notre planète. C'est pourquoi
Je salue le choix du thème pour cette 76e session de l'Assemblée générale, à savoir « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. » Ce thème traduit bien notre détermination d'éradiquer le COVID-19 et notre désir de rétablir le destin commun par le multilatéralisme sous la coordination d'une ONU à la hauteur des défis existentiels de l'humanité, notamment celui de la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif. Monsieur le Président, la victoire contre la COVID-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Pour sa part, l'Afrique n'a pas croisé les bras et n'entend point capituler devant une quelconque fatalité du destin. Au contraire, elle a mis en place une stratégie continentale commune contre la COVID-19. Dans ce cadre, elle a créé un fonds de réponse à la COVID-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. L'Afrique a signé le 28 mars 2021 par le canal de l'African Vaccine Acquisition Trust, AVAT en sigle, un accord pour l'achat de 220 millions de doses de vaccins et certains pays africains ont initié le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. D'autres produisent déjà des vaccins sous licence. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera dans notre continent les 25 millions de doses par mois. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui mérite d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des projets incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locale. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture de santé, des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la COVID-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines. Elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession
aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. Aussi, en même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation nationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ces dégâts se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la COVID-19, notamment celle du G20, sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du quatrième sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations Unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Il est également souhaitable que ces ressources exceptionnelles concourent à promouvoir plus vigoureusement l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. C'est dans cet état d'esprit que je demande un soutien massif des partenaires techniques et financiers de l'initiative de l'Alliance sur l'entrepreneuriat en Afrique, annoncée lors du sommet de Paris, qui tiendra sa réunion constitutive dans les prochaines semaines. La République démocratique du Congo plaide pour l'accélération de la mise à disposition effective des ressources par le FMI, sans oublier l'impératif d'alléger la dette des pays africains et de matérialiser toutes les promesses faites à l'Afrique en compensation des sacrifices consentis afin de préserver l'humanité contre le réchauffement climatique. S'agissant particulièrement du réchauffement climatique,
Il convient de rappeler qu'il reste moins de 6 semaines avant la COP26 et 9 années avant 2030. Pour l'Afrique, l'année 2030 sera marquée par une baisse du PIB pouvant atteindre les 15%, une réduction des rendements agricoles et une forte augmentation de risques d'inondations côtières et dans les pays insulaires. Pour faire face à ces impacts négatifs, d'ici à cette échéance fatidique, le continent africain aura besoin de 30 milliards de dollars par an pour s'adapter. Ce montant devrait passer à environ 50 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale en général et aux amis de l'Afrique en particulier de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAA en sigle, dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, programme qui entend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc des changements climatiques. Ainsi, au-delà des proclamations de foi et de bonnes déclarations d'intention, la relance de l'économie mondiale sera une réalité pour tous et la solidarité internationale aura un contenu palpable, notamment pour les peuples africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique n'a pas besoin d'aumône. Elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d'action dans un monde toujours en compétition, afin de se forger un destin meilleur et d'apporter davantage sa contribution au progrès général de l'humanité. L'Afrique a besoin de partenariats constructifs et gagnant-gagnant pour mettre en valeur ses fabuleuses richesses naturelles, se doter d'infrastructures de développement et améliorer les conditions de vie de ses populations. À l'évidence, l'atteinte de ces objectifs exige des institutions démocratiques fortes et stables, des politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Ni les capacités, ni le dynamisme des populations, et encore moins les ressources naturelles, ne font défaut à l'Afrique pour ce faire. Globalement, les progrès substantiels ont été accomplis au cours de ces deux dernières décennies en termes de consolidation des processus démocratiques, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Cependant, le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique par contre, l'ACMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins 2600 morts. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed Awal Mujahideen, en abrégé
ADF-MTM tue mes compatriotes et pille massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. En avril dernier, des terroristes et des mercenaires venus de la Libye ont plongé l'Afrique dans une profonde tristesse en lui arrachant brutalement l'un de ses grands dirigeants, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, lâchement abattu au front pour défendre la souveraineté de son peuple et la vie de ses concitoyens. Du haut de cette tribune des Nations Unies, je salue, au nom du peuple congolais, la bravoure et l'engagement de cette figure historique pour protéger l'Afrique contre le terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains, comme ceux du G5 Sahel, se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun. Pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique, la République démocratique du Congo a adhéré à la Coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier de créer en son sein un groupe de travail sur le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, l'article 1.1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement tributaires de la stabilité interne des États membres. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leur responsabilité exclusive et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Celle-ci devra en effet
favoriser les mouvements des personnes et des biens, ainsi que la complémentarité des intelligences, des énergies et des projets. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAF, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'un milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur, aussi bien pour les dirigeants que pour les élites africaines au cours de ce 21e siècle. En République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que l'Afrique gagnera cet enjeu et relèvera ce défi puisqu'elle en a les moyens et la détermination. Les principaux instruments de cette grande ambition d'intégration africaine sont notamment la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063, la conclusion des partenariats entre les États africains, la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires, la diversification et l'industrialisation des économies nationales, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'aux problèmes africains, il y ait des réponses africaines. C'est sur base de cette option de la charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des trois pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives. Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux trois pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant car non seulement les dirigeants des trois pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les partis que leur accompagnement sera le bienvenu. Monsieur le Président, ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique. Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains n'hôteleront plus de régime militaire ou autocratique.
C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché d'échange. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit depuis mon avènement à la tête du pays une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. Aussi, le gouvernement de la République a-t-il déjà conclu des accords de partenariat avec plusieurs pays et groupes d'investisseurs privés. Nous sommes déterminés à raffermir davantage ce retour de la confiance en notre pays. Cependant, une lourde hypothèque pèse sur ces acquis encourageants et risque d'entraver la marche victorieuse du peuple congolais vers son bien-être. C'est l'insécurité au nord-est de la République démocratique du Congo, en proie depuis deux décennies à des attaques meurtrières et aux razzias récurrentes d'une multitude de groupes armés au sein desquels se trouvent des terroristes islamistes. Il n'est un secret pour personne que ces attaques ont causé des milliers de morts et de déplacés, des viols de femmes et des violations massives des droits de l'homme. Face à la persistance de ce cancer qui mine le pays au nord-est et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ce régime constitutionnel d'exception, les forces armées de la République assument la totalité de la responsabilité de la gestion administrative et sécuritaire des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles,
La libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuples congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices, et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807, pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo, MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en République démocratique du Congo comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations. Le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres,
transparente, inclusive et crédible prévue en 2023. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations Unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de deux autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Au nom du peuple congolais, je souhaite plein succès aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de vouloir accompagner son Excellence. Très chers téléspectateurs, vous venez donc là de suivre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait vraiment double casquette. Il a parlé en tant que président de la République démocratique du Congo et aussi en tant que président de l'Union africaine. Son discours a pris près de 40 minutes, mais ton chrono, j'ai chronométré, très chers téléspectateurs, il y avait au moins 10 minutes réservées à la santé avec la Covid. 19, le président de la République a réservé donc une part belle pour Diakessé à la Covid, même s'il y a plusieurs points qui ont été évoqués par le chef d'État. Nous allons décortiquer autour de ce plateau les discours du président de la République. Près de 40 minutes à s'adresser au monde, il faut le faire, et Félix Tshisekedi vient de le faire au nom du peuple congolais, au nom du peuple africain. Covid-19, 10 minutes dans le discours présidentiel. Est-ce une détermination pour le chef de l'État de mettre toutes les batteries en marche afin de sauver les vies humaines dans notre pays? Vous l'avez vu, il y avait la AstraZeneca qui était là comme le premier vaccin. Le deuxième vaccin est arrivé, Moderna, et le chef a prêché par l'exemple avec son épouse et le couple présidentiel se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, le vaccin est devenu à la mode et j'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vais le faire demain. Ah, c'est le chef de l'État. Moi, je voudrais revenir d'abord sur la forme, avant de parler du fond. Blaise, j'ai toujours été admiratif du chef de l'État, de son éloquence. Comme je l'avais dit en 2019, le chef de l'État, c'est vraiment un tribun. Un tribun, c'est une personne qui a la capacité de mouvoir l'Assemblée, l'auditoire, par sa façon de parler, par le débit des mots, par le gestuel, et le président de la République en a. Ça me rappelle toujours le discours majestueux du maréchal Mobutu. Et ça nous a manqué pendant longtemps. Bon, nous avons eu des chefs d'État entre-temps, mais un tel tribun, on avait besoin. Donc, à la dimension de la RDC, j'ai toujours été admiratif. Et pourquoi peut-être, bon, c'est inné, mais aussi parce que pendant longtemps, il a été responsable de la diplomatie au sein de l'Union des politiques extérieures. Donc, il est très à l'aise dans les espaces internationaux. Il est très à l'aise, comme aussi à l'aise en interne.
Et là, dans la forme... Il a prouvé davantage. Tout à fait. Dans la forme, c'est un peu comme en 2019, il a abordé tous les aspects. Et je me rends bien compte que les mêmes aspects abordés aujourd'hui l'ont été aussi en 2019. Donc, il s'est mis déjà comme étant une grande figure politique africaine, où il défend la cause africaine. Quand il évoque Mozambique, quand il évoque Boko Haram, c'est pas seulement comme président de l'Union africaine, mais également comme étant un grand visionnaire africain qui voit l'Afrique, un africaniste. Voilà, qui voit l'Afrique pas comme un parent pauvre qui demande toute de l'aide, mais qu'un Afrique qui se bat pour un partenariat gagnant-gagnant. Le plan de réforme, incontestablement, c'est une grande distinction. Voilà. Merci. Félix, je disais, je posais tout à l'heure à Paul la question de savoir pourquoi le chef de l'État a réservé, dans un discours de 40 minutes, il y avait au moins 10 minutes à la COVID-19. D'abord, j'aimerais saluer la constance du chef de l'État. Il n'a seulement pas présenté un tableau peint de problèmes, mais il a aussi proposé des solutions. Des solutions non seulement pour sa chère patrie, la République démocratique du Congo, mais des solutions pour l'Afrique et au niveau global. Le président de la République, dans la réalité de ce qui est la pandémie, qui est un ennemi invisible, qui est venu détruire ce qu'on appelle l'outil de production économique qui a détruit les économies, parce que vous savez, l'économie, par définition, c'est l'action de produire des biens et services et les redistribuer. Alors, à la base de cette économie, nous avons l'être humain. Or, l'être humain a été affecté par un ennemi invisible, un obstacle qu'on devait surmonter. Donc, c'est la raison pour laquelle il a réservé une quote-part assez importante dans son allocution à la 76e Assemblée générale dans cette session aux Nations Unies à New York, à la Covid. Et il a démontré clairement, noir sur blanc, comme en couleur, si vous permettez les termes, combien est-ce que le problème de la planète a besoin d'une certaine convergence, une certaine synergie et surtout le multilatéralisme qui a été démontré par rapport au problème de la Covid-19. Il a démontré clairement combien est-ce que le monde s'est uni contre un ennemi commun. Donc il voudrait dire par là que ce qui nous divise, vous savez, ce qui nous divise ne peut pas être plus grand que ce qui nous unit. Donc, faut capitaliser dans tous les problèmes du monde, dans toutes les péripéties que le monde connaît, malgré leur complexité et leur particularité, nous devons toujours mettre le dialogue en avant, faire converger les idées, les solutions pour donner des vraies réponses aux problèmes qui s'érigent face au monde. Donc, vous allez comprendre que la part réservée à la Covid est très importante parce que dans la ligne, dans la constance qu'il a démontré à travers cette allocution, le président de la République a démontré clairement que si le monde ne se met pas ensemble pour résoudre de vrais problèmes, les adresser d'une manière authentique, et surtout ce que j'aime à propos de cette personnalité politique, c'est la résilience. C'est une personne qui n'abdique jamais. Parce que il est aujourd'hui à la tête d'un État qui est un État géostratégique, aujourd'hui aussi président en exercice de l'Union africaine. L'homme est issu d'un combat, des péripéties, et il comprend exactement les problèmes, comment est-ce qu'il se présente pour ceux et celles qui dirigent ce monde, comme c'est lui, comme lui-même également qui dirige la République démocratique du Congo. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère en reconnaissant le problème et les difficultés que fait face la République démocratique du Congo, l'Afrique et certaines régions du monde. Donc je pense que cet exercice est un bel exemple de communication en termes de relations internationales parce qu'il est à la base le représentant d'un des premiers acteurs des relations internationales qu'on appelle les États, qui utilise la tribune des Nations Unies en tant qu'organisation internationale numéro 1 pour proposer des solutions comme vitrine à laquelle tout le monde pourra venir puiser des solutions et donner des réponses adéquates. Merci. Monsieur Kassoumouema, je rappelle que vous êtes porte-parole
pris chef l'État en termes de communication, de sociologie des communications. On a vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec un discours clair, avec un ton imposant. Et je disais tout à l'heure qu'il avait de doubles casquettes, casquette du chef de l'État congolais et casquette également du président de l'exercice de l'Union africaine. Les amis qui sont avec nous sur ce plateau ont répondu sur une question, sur la question de Covid, mais il y a aussi l'environnement qui a été évoqué par le chef de l'État dans son discours sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un discours qui a fait, pas chronométré, je vous fais confiance, ça fait 40 minutes, oui. Mais c'est un discours qui était dense. Je crois que les principaux thèmes qui préoccupent le monde actuellement, et en particulier le continent africain et son pays, la République démocratique du Congo, ont été soulevés. Soulevés, et j'ai bien aimé, comme nous disent les prédécesseurs, non seulement le président a posé les problèmes, mais il a également annoncé les solutions qui peuvent être mises en commun. J'ai particulièrement aimé une expression qu'il a utilisée. Laquelle ? La communautarisation des moyens. Parce que si chaque pays africain, déjà, de par la faiblesse de ce qu'il a comme moyen, se dit, écoutez, je me mets tout seul, on n'arrivera pas à grand-chose. Il a souligné cet impératif, que ce soit pour la mobilisation des ressources financières, que ce soit pour la lutte contre le terrorisme, hein, ce fléau qu'il a dépeint, et il a montré combien ce terrorisme est en train de déstabiliser les gouvernements en Afrique, au risque de déboucher sur véritablement une sorte de... j'allais dire balkanisation, mais on risque de le prendre uniquement. C'est trop dur. On risque de le prendre uniquement pour la République démocratique du Congo. Oui. Il a parlé du réchauffement climatique. C'est un thème dont nous avons. On a évoqué ça avant son speech. Oui. Le réchauffement climatique, c'est vrai que nous n'avions toujours pas mesuré la portée de cette question-là. Et le président de la République a rappelé un certain nombre d'éléments avec des chiffres. Il a appelé au soutien du programme d'adaptation de l'Afrique pour supporter le choc, parce qu'il y a un choc. Et puis il dit une phrase que j'ai retenue, l'Afrique n'a pas besoin de monde, mais elle a besoin d'apporter sa contribution au partenariat constructif gagnant-gagnant. Naturellement, cela suppose que on va favoriser la bonne gouvernance, mais je crois que si vous avez bien vu la structuration de son discours, il terminait sur la République démocratique du Congo, parce qu'il a commencé par ce qui concerne le monde entier, la Covid. Il a parlé de l'Afrique, notamment des grandes organisations financières. Et puis, il termine sur le Congo. Mais sur la fin, il vient parler d'une question de justice envers un continent pour avoir des permanents au Conseil de sécurité. Oui, deux membres non permanents et deux membres permanents. Rappelez-vous. Donc, il en faut quatre. Rappelez-vous, oui. Il avait déjà parlé de ça à la dernière fois qu'il était passé au Conseil de sécurité, oui, des Nations Unies. Je crois que je n'irai pas très loin. C'est un discours très bien structuré. C'est un discours qui est très dense, qui a abordé les différentes thématiques les plus importantes. Et ma foi, chacun aura retenu quelque chose d'important de ce discours. Nous aurons l'opportunité, certainement dans d'autres émissions plus élaborées, de revenir sur chacune des thématiques que le président de la République a abordées. Je vais peut-être quand même terminer par la question de l'embargo sur les armes. Nous sommes un pays post-conflit, nous sommes un pays qui est convoité, qui est, allez, plus ou moins envahi, mais nous sommes frappés par un embargo sur l'approvisionnement. Il faut nous ouvrir le marché. Dans ce qui pourrait nous aider à nous protéger. Le président a proclamé cela, et puis il a quand même évoqué la question de la MONUSCO. Il est d'accord pour le retrait de la MONUSCO, mais un retrait progressif. Et responsable. Et responsable, un retrait, mais que la MONUSCO également, d'ailleurs il l'avait dit à son dernier passage aux Nations Unies, mais qu'on donne à la MONUSCO les moyens de sa mission. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que c'est moi. L'INSECU a occupé également une place de choix dans le discours du
du président, quand je parle de l'insécurité, c'est l'insécurité, bien sûr. Effectivement, insécurité au niveau du continent africain, mais aussi insécurité en République démocratique du Congo. Oui. J'aimais, votre chronomètre a bien marché. C'est à 18h05, heure de Kinshasa. Il était 13h05 à New York, un peu d'une heure par rapport aux prévisions annoncées par les Nations Unies. Le chef d'État s'est donc exprimé pendant 40 minutes, dont 10 ont été consacrées à la question COVID. De Covid-19, oui. Mais au total 25 minutes consacrées rien que à l'Afrique. Donc c'est cette posture-là du président à l'exercice de l'Union africaine. Il a fait le plaidoyer du continent africain, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Aujourd'hui, on peut parler d'un plan Tshisekedi pour l'Afrique. Nous allons y revenir. Mais 15 minutes, durant les 15 minutes qui ont été consacrées à son pays, la République démocratique du Congo, les chefs de l'État a donné deux grandes informations, à mon avis. La toute première, c'est que il persiste et signe qu'en 2023, il y aura bel et bien des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes. Donc, ça, c'est vider les contenus à tous ceux qui sont plongés dans le désespoir. Effectivement, qui sont plongés dans les histoires, qui font de procès d'intention président de la République. Il vient de le dire du haut de la tribune des Nations Unies. Il y aura élection en 2023. De l'autre question à polémique au niveau interne, c'est qu'il fait le bilan de l'état des sièges et tous les résultats qui sont obtenus au niveau des FARDC. On va le rappeler rapidement ici, la neutralisation de plusieurs centaines de milliers de miliciens, la reddition de plusieurs égarés également, la récupération d'armes, le démantèlement d'armes à feu et de tous les trafics sur les minerais et les armes, la récupération d'un bon nombre de localités, la libération des otages, la réouverture de plusieurs routes. Voilà des questions importantes d'actualité au niveau national, puisque le président de la République s'est exprimé. Il y a aussi la croissance économique et la stabilisation du franc congolais. Exactement, ça fait partie de son bilan sur les mesures économiques. Il a répété la reprise avec le Fonds monétaire international et les résultats concrets également sur sa lutte acharnée contre les antivaleurs réclamées et encouragées par la population congolaise. Mais il est revenu aussi sur le réajustement institutionnel, en clair ici, la rupture réclamée par la population avec l'ancien ordre politique. Voilà donc le président de la République. Alors, comme président africain, le plan Tshisekedi pour la COVID-19 peut se résumer en 5 axes. Le tout premier, c'est que le président de la République a demandé l'augmentation de la capacité de tests rapides pour les pays qui n'ont pas de moyens. Deuxièmement, il veut assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments. Troisièmement, la généralisation de la vaccination et approvisionnement pour les pays qui n'ont pas de moyens. Quatrièmement, encourager la recherche médicale au niveau africain. Et cinquièmement, soutenir la politique des réformes des structures sanitaires. Voilà ce qu'on peut appeler aujourd'hui les plans Tshisekedi pour l'Afrique. Il va terminer son mandat, mais son successeur pourra certainement se servir de ce plan parce que la gestion de la pandémie de Covid-19 c'est poursuivi encore. Alors, le président de la République a fait également les plaidoyers de l'Afrique en ce qui concerne son économie. Il s'est fait les porte-voix du sommet de Paris sur la relance des économies africaines. Et le chef de l'État a encore demandé aujourd'hui la location de 100 milliards de dollars américains de DTS, les droits de tirage spéciaux au profit des économies africaines. Et il a dit qu'il va encore faire ce plaidoyer devant les 20 pays les plus riches du monde, donc le sommet de G20 qui se déroulera au mois prochain, ce sera à Rome, en Italie. Le président de la République a parlé d'une question aussi importante, le réchauffement climatique, ce qu'il en pense et ce que l'Afrique peut donner au monde, c'est que la République démocratique du Congo, son pays, peut donner également au monde. La question sécuritaire sur le plan africain, le président de la République l'a abordé avec des précisions sur tous ces mouvements. Et là, il a lancé un pamphlet
à tous les dirigeants du monde pour voir comment la lutte contre Daesh a mobilisé les grands pays, les grandes puissances mondiales au niveau de l'Irak, mais par contre au niveau de l'Afrique, on ne sent pas nous la avons, même détermination. Nous allons peut-être terminer, hein, mais le président de la République a salué la mémoire d'un fils africain, Idriss Déby, qui est tombé sur le champ de bataille pendant qu'il recherchait des solutions aux problèmes de son pays. Mais il y a également un dossier épineux qui est sur la table du président de la République, c'est bien ce barrage des renaissances qui oppose trois pays africains, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Vous croyez vraiment que le chef de l'État, avant la fin de son mandat, il va gagner ce pari? Il a la volonté de le faire, il a la volonté de trouver des solutions. Il a rappelé la tournée qu'il avait effectuée dans les trois capitales, les trois pays concernés. Nous pensons que même si ça ne va pas arriver à la fin, mais il va poser les jalons pour que cette crise... Mais il a la belle phrase qu'il a prononcée, c'est que ce barrage peut être un élément vecteur, mais également un tremplin économique pour les trois pays. Donc l'axe du débat, ce n'est pas seulement les conflits entre l'Éthiopie et l'Égypte, mais le Soudan impliqué comme un peu intermédiaire. Alors ce barrage peut devenir un outil pour ces trois pays. Mais bien, si vous pouvez... On tend vers la fin. Hein. On tend vers la fin. Oui. Dommage que quand on est vers la fin, on nous montre les doigts, mais bon, David, ils ne sont pas là. Alors, qui vous a montré les doigts? je vous dis ceci. Sur le...